Ma chère fille, puisque vous n'en faites qu'à votre tête et que vous vous acharnez à entretenir votre bonté et votre beauté, je vais vous faire fondre comme une motte de beurre. Elle essaya de passer par la fenêtre, mais c'était encore impossible. Et le jour suivant, et encore le jour d'après, enfin chaque jour, elle se contorsionnait pour s'échapper. Le lendemain, le rossignol se rendit dans la baraque de la sorcière et tout se passa comme prévu. Il y avait non loin de là un des chasseurs du roi qui déjeunait au pied d'un pommier. Il entendit le chant de la belle, un chant si affecté, si émouvant. Je travaille au service du roi et nous habitons, ma femme et moi, près du palais, à quelques pas d'ici. Venez donc chez nous, vous reposer, reprendre des forces. Des trophées de chasse étaient exposés, des plus grands bois de cerf aux plus petites cornes de chamois. Et même les dents du petit cochon de lait scintillaient. Tu as attaché mon beau fauteuil avec ta motte de beurre ! Et elle se mit à poursuivre la belle sans lui laisser dire mot. Voilà comment notre ami et son compagnon se retrouvèrent à travers champs, fuyant par peur du bâton. Bougre d'ânesse ! Tu dis un beurre d'exception ? Voyons. Cependant, Sa Majesté était troublée et lui demanda : Mon cher rognon, vous travaillez à mon service depuis 30 ans et pour mon plus grand plaisir. Mais dites-moi comment, d'un seul coup, tous vos plats qui étaient déjà un délice sont-ils devenus si exquis ? Eh bien, voilà, Majesté. Le lendemain matin, quand notre belle partit, le prince avait déjà attelé son destrier et il la fila de loin. Aussi, quand elle arriva près du lac, elle se dévêtit tout en chantant. Une rose, je suis la fleur née de l'épine. Le prince l'écouta avec beaucoup d'attention et conclut : Je ne vois qu'une solution, soigner le mal par le mal. Le deuxième que ma rancœur j'abandonne, et qu'à toi je revienne et m'adore. Il m'a fallu du temps pour y arriver, mais me voilà prête à exaucer mon...